Hello YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur la découverte d'un nouveau jeu mobile, on est sur Tower of God qui vient de sortir, c'est tiré d'un webtoon à plus de 6 milliards de vues, c'est pas rien. Le jeu est actuellement en anglais, je sais pas si je vais pouvoir le traduire en français. On est sur un gacha avec du côté idle, vous savez, c'est ces jeux-là où même quand on ne joue pas, on peut récolter des ressources. Oh, la petite animation qui fait plaisir. Donc, je suis dans la pleine découverte, je sais pas ce que ça vaut. On va voir ça ensemble, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de découverte sur la chaîne, du coup, c'est l'occasion. Donc là, on a l'air de se taper un premier boss. Alors, est-ce que ça va être typical des RPG? Voilà, le héros tape le boss, on peut pas le tuer, on va mourir, on va revenir plus fort plus tard. Vous savez, c'est un peu l'intrigue de base dans pas mal de RPG. Alors, on voit qu'il est en train de se donner... On voit qu'on n'est pas tout seul, vous pouvez voir que pour l'instant j'ai deux personnages, donc j'ai un premier qui est ici qui est en train de se faire défoncer, sûrement le héros du webtoon, et à côté j'ai une autre personne qui va sûrement me venir en soutien. Mais vous voyez, il y a un timer, donc peut-être qu'elle va arriver sur la dernière seconde et elle va me sauver mon cul, ou peut-être pas. Peut-être pas. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, je connais pas le webtoon, mais les images sont vraiment très stylées, ça me donnerait vraiment envie d'aller regarder. Est-ce que ça vaut? Et regardez, oh non, il s'est vénère. Ok. Les animations sont stylées. Après, je sais pas si ça va durer très longtemps. On imagine souvent que ça va durer seulement pendant le mode histoire. Quand il y a différentes difficultés dans la première difficulté, c'est toujours pareil. Mais c'était plutôt cool. Donc là, il y a ma team qui me suit. On va skip un petit peu le dialogue parce que j'ai pas envie forcément de trop vous spoiler. Puis on a envie d'aller avancer un petit peu sur le gameplay pour voir si le jeu vaut le coup. En tout cas, si vous le testez, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et si vous voulez que j'aille tester d'autres jeux, bah c'est pareil. Faites-le savoir en commentaire. Du coup, on va continuer à découvrir pas mal de jeux mobiles. Je pense que là, je me suis remis un petit peu dans une lancée où j'ai envie de retester des jeux mobiles. Je le faisais de mon côté, tout seul, sur ma tablette, tranquille, dans mon canapé. Mais c'est vrai qu'il y a une autre saveur devant la caméra. Alors, on regarde. Donc là, on a l'air d'être sur le côté sûrement idle. Donc là, je pense qu'on est sur le dashboard classique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en haut, on voit vraiment toute l'interface utilisateur. Donc là, voilà, je pense que c'est ça. Là, on est sur le côté idle. On demande d'aller tuer un boss. Qui a l'air d'être assez stylé. J'aime bien le gars avec 4 bras là. Alors là, ça va être sûrement la composition de ma team. On est sur un training. On va essayer d'aller le chercher. Donc vous pouvez voir qu'on a des petits sorts actifs. J'imagine que derrière, on va pouvoir avoir de l'équipement. Peut-être améliorer ses sorts actifs. L'objectif, comme d'habitude, c'est de créer la meilleure synergie de team. Et on est sur une sauce gacha. Donc héros collector. Va falloir drop des héros. Drop de quoi faire. Et essayer d'avancer. Alors... là, vous voyez, donc là, j'ai récupéré des petites récompenses. Ça m'a permis de passer mon compte level 2. Et en passant mon compte level 2, eh ben, je vais avoir plus de récompenses en étant AFK. Sachant qu'un truc qui est très sympa, c'est que quand ton compte passe level 2, tous tes héros sont directement level 2. Quand tu passes ton compte level 3, tout ton compte, tous tes personnages passent level 3. Et ça, c'est cool parce que si demain, t'es niveau 25, 30, 35, j'ai une connerie, et que tu drops de nouveaux héros, ils sont directement à niveau. Et ça, je trouve que c'est quand même très intéressant. C'est parti pour la summon, je vais pouvoir invoquer deux fois. Hâte de voir un petit peu l'animation. Ok, c'est une porte qui s'ouvre. Plutôt stylé, bien fait. Oh, sauce animée. Un personnage qui nous met un petit coup de latte. Est-ce que l'animation change à chaque fois? Est-ce que c'est codé? Et on récupère derrière le Lightbearer Kun. Alors, sûrement plusieurs classes. Peut-être différentes factions, comme d'habitude. Ça fait plaisir. Genshin a quand même clairement installé une méta sur le stuff, sur le drop de personnages. Vous savez, avec ce fond, justement, avec les petites étoiles, le petit glow et tout. Ils ont installé une méta, on voit ça maintenant dans 50-60% des jeux mobiles, c'est dingue. Allez, on a encore une invocation à faire, let's go. Donc là, on a vu qu'on a réussi à drop un personnage et une arme. Ah, je peux pas faire ma deuxième invocation apparemment. On doit continuer à avancer, sûrement je vais pouvoir éditer ma team. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le guide. On a un guide avec pas mal de steps, ce qui est plutôt bien, ça veut dire beaucoup de récompenses. On voit aussi qu'on a des missions de débutants pendant 7 jours, on a des missions de débutants tout court. Donc ça veut dire d'autant plus de récompenses. Ça c'est bien, ça c'est vraiment une bonne chose, mais maintenant c'est devenu un grand standard. Et on récupère du coup la première récompense, la deuxième récompense aussi. Va falloir que j'édite ma team pour avoir la prochaine récompense. Donc on va aller ici, edit team. Et est-ce que je peux ajouter quelqu'un? Je peux ajouter Kun. Ah je sais pas, là il me dit bam, il y a quelqu'un. Ah c'est bam, ah c'est parce que ça c'est mon personnage principal et c'est écrit un petit peu en décalé. Bah, je vais le mettre à côté. Ah oui c'est ça, donc ça c'est bam. Ok, c'est juste que j'ai l'impression que c'était sur cette case là. C'est pas hyper intuitif au premier regard. Mais après, je trouve ça pas mal parce que ça change dans le côté idle game. Il y a que un peu AFK Arena qui avait, je trouve, un idle game RPG avec un côté graphique qui m'intéresse. Après, faut voir vraiment en termes de contenu. Est-ce qu'ils ont fait beaucoup de choses? Ce que j'adore sur AFK Arena, c'est clairement le labyrinthe. Donc j'aimerais bien qu'il y ait ce genre de choses qui soient mis en place. On a une boutique Event, donc avec des récompenses quotidiennes. On a aussi ici des choses pour nous permettre de récupérer des tickets d'invocation.
D'accord. Ça peut être pas mal pour récupérer un perso. Ok, c'est quoi ça? On a des daily missions. On va tout récupérer, hein. De toute façon, nous, on est comme ça, on récupère tout. Donc, on a 7 daily missions. On a pas mal... Ah, en fait, c'est un petit peu tout ce qu'on doit faire. Ça a l'air d'être vraiment assez ouf. Donc, ça, c'est les daily. Et ça, c'est sur la semaine. On a les weekly missions. Ok. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Dans mes mails, on a des petites récompenses. On vient de récupérer un nouveau perso. On vient de récupérer Andorcy. Il y a sûrement des récompenses de préinscription. On va du coup éditer la team tout de suite. Et on va mettre. On va la mettre derrière. Elle a 4837 de pouvoir, 4827 et 6000 pour BAM. Donc là, vous voyez, on a des skills actifs justement qu'on va pouvoir mettre dans notre barre. Mais pour l'instant, je n'en ai pas encore débloqué. Lui, il a une petite, un petit truc. Ah, je vais peut-être pouvoir aller l'apprendre. Ok. Donc là, on va pouvoir aller apprendre. Il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de choses. Ça, c'est cool. Après, c'est le genre de choses que j'ai envie de spammer dès le début. Et au bout d'un moment, peut-être que je me lasse. Comme la majorité des jeux mobiles. Parce que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Donc là, on a le skill. Donc ça nous parle un petit peu de ce qu'il y a. Ben, on va prendre le heal. Hein. Ouais, c'est bien d'avoir un petit heal, je pense. Hop, on va poser le heal. Et donc là, ça a l'air d'être lié au perso, vous voyez, par rapport à Kun. Ok, stylé. Très stylé. On va continuer dans l'histoire. Attendez, je peux claim ici des choses. Try to upgrade gears. C'est-à-dire que là, j'ai eu du stuff. Go now. Allez, allez. Ça m'envoie directement dessus, c'est bien fait. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme stuff? Parce que là, on voit que j'ai des gants. On voit qu'il y a différentes raretés parce qu'on a du vert. On peut faire de l'auto-équipe. Ce qui est pas plus mal pour ce style de jeu. On voit qu'on a une rareté E dessus. J'ai l'impression. Un rank encore en plus. Donc, on voit qu'on a de la rareté ici. Uncommon. Mais aussi, un truc E. Ah non, E, c'est peut-être pour équipe. My bad. On peut upgrade. Ça va me demander des petites pierres. Je sais pas jusqu'à quel level on peut upgrade. Et on peut derrière faire de la transcendance qui va me permettre de rajouter ici de la Magic Damage Resist. Ok, et ça, ça coûte des gold. Donc là, on va auto-upgrade. On va le faire 5 fois. Auto-upgrade, nickel. Il y a du succès. Oh, ça descend quand même assez vite. Ça coûte des gold en plus. Fail. Ok, ça passe. Ok, nickel. Close. On a eu des compensations. D'accord. On va pouvoir récupérer ça. Et maintenant, on va aller dans l'histoire. 1-4. Pour l'instant, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, derrière votre écran qui regardez la vidéo. Pour l'instant, ça va être plutôt pas mal. Après, il y a le petit côté français. Je vais pas encore aller regarder dans les options si le jeu, on peut le traduire en français. Je vais pas aller regarder non plus dans le côté visuel. Mais on est sur un idle game. Donc, le côté visuel va que moyennement m'importer. Puis, si je veux un jeu triple A, je joue sur mon PC. Plutôt que jouer sur ma tablette ou sur mon téléphone. Mais ça a l'avantage quand même de pouvoir s'emporter partout. Sans avoir une Switch ou une autre console portable. Ok, le terrain a l'air d'être assez stylé, même si on voit que c'est toujours à peu près la même forme pour les herbes. On va skip le dialogue, parce que c'est pas le but là. On veut vraiment voir du gameplay, voir à quoi ça va correspondre. On peut éditer la team ici. Du coup, c'est pas la même team pour le AFK et pour le non-AFK. Qu'est-ce qu'on dit? En gros, les performances des personnages vont varier en fonction de leur emplacement. D'accord? On peut leur équiper des skills. Ah, par exemple, elle, est-ce que... Ok, donc là, on a pris le skill. Et ici, je vais assigner. Ok, si je fais un auto-assign... Ok, ça le met derrière parce que c'est le healer. Ok, pas de problème. Et bah, let's go. Donc ici, on a la petite molette pour être sur le truc automatique. On va pas se faire chier, surtout que là, je joue sur émulateur. On joue sur Boostack 5. Comme d'hab. Ok. La récompense, elle est rapide. Pour l'instant, on level up le compte. Donc là, vous voyez, mes héros sont tous passés level 3. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Je trouve que c'est un truc qui est pas trop mal. Dans les idle, on a souvent un système où il faut des héros, faut des doublons de héros pour pouvoir aller rank up après en termes de rareté. Et puis, on a souvent une sorte de petit endroit où on va pouvoir poser les héros. Et ça veut dire qu'on va mettre nos 5 meilleurs héros. Et après, tous les autres héros vont avoir le même level. Vous savez, on a souvent ça dans les idle games. Et ici, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et moi, ça me gêne pas parce que c'est souvent plutôt prise de tête. Et quand tu veux switcher un peu les combinaisons, bah, tu sais que parfois, tu as des 24 heures d'attente pour pouvoir remettre un héros dans le truc et ainsi de suite. Et c'est souvent un peu frustrant. Bon, certes, ça retient un peu de stratégie pour les joueurs qui ont l'habitude de ce genre de service. Mais pour les casus, pour ceux qui démarrent ce genre de jeu, parce qu'ils connaissent le webtoon et qu'ils ont envie de jouer au webtoon, bah, je trouve ça plutôt pas dégueulasse. Après, il faut aller voir vraiment aussi comment il est en termes de free-to-play. Après, on sait que c'est toujours cash-to-play, hein. Ce genre de jeu. Alors, cash-to-play, non, parce qu'il est free-to-play, mais si tu veux progresser plus vite, être compétitif et ainsi de suite, s'il y a du ranking, s'il y a du PVP, ce qui n'est pas forcément le cas, mais en général, dans ce genre de jeu, il y en a, et bah, forcément, bah, ceux qui cachent, les whales, vont être avantagés. Mais ça, on le sait dès qu'on commence ce style de jeu. On va pouvoir avancer sur la prochaine histoire. On a gagné de l'XP. C'est plutôt pas mal, honnêtement, agréable découverte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu, si vous avez des conseils à me donner, bah, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Moi, je vous dis tout simplement à la prochaine pour un prochain test jeu mobile. C'était Wendy, prenez soin de vous et abonnez-vous. Ciao, ciao.